En 2011, Johnny Hallyday a testé une chose qu'il n'avait jamais osé faire, les champignons hallucinogènes. Le rocker était alors en plein enregistrement d'album avec un célèbre chanteur français avec qui il a fait cette expérience. Un souvenir à jamais gravé. Interviewé par Le Parisien, Mathieu Chédid a évoqué une expérience complètement folle vécue avec Johnny Hallyday alors qu'il collaborait sur le 47e album studio du rocker baptisé Jamais Seul, sorti le 28 mars 2011. S'entendant à merveille, les deux artistes auraient ainsi décidé de tester les champignons hallucinogènes ensemble. Il paraît que vous lui aviez fait prendre des champignons hallucinogènes. Lui demandaient ainsi nos confrères. Pas en studio, après, a révélé le chanteur. Un jour, on avait pris ces petits carrés magiques de Los Angeles. Johnny n'avait jamais essayé. C'était très drôle. Johnny sous champi, c'était phénoménal. Et même si cet album n'a pas forcément été un gros succès commercial, Mathieu Chédid en garde un souvenir magique. Il raconte, ce qu'on a vécu avec Johnny, humainement, musicalement, c'était extraordinaire. Il n'a pas marché commercialement, si est-il vrai, mais on n'a pas cherché à faire des morceaux commerciaux. Quand Johnny m'a demandé, je ne pensais pas que c'était une bonne idée. J'ai même dit plusieurs fois non. Il a insisté, alors j'ai dit, allez, on y va, on se fait un délire. Mais sans maison de disques, pas business, avec les copains. On a passé un sublime moment. Un album gravé dans la mémoire de Johnny Hallyday, un enregistrement qui avait aussi été inoubliable pour Johnny Hallyday puisqu'il avait par la suite affiché une image avec Mathieu Chédid dans son salon. L'interprète du titre qui de nous deux révèle, cela m'a vachement touché quand je l'ai revu plus tard chez lui à Los Angeles, quand il commençait à être malade. Dans son salon, il y avait de grandes photos de cet enregistrement. Il avait quand même tatoué le nom de l'album, Jamais Seul, sur son bras. On a écrit cet album en 15 jours, on l'a enregistré en 2 semaines, c'était intense, très libre, un album un peu hippie. C'était fou. Je n'avais pas fait cet album pour la Tour Eiffel, pour un monument mais pour un homme très touchant, au parcours dingue. Et quand il y a eu ses obsèques, on a tous pris conscience à quel point il avait touché les gens. C'était un peu bizarre, presque impudique, d'être là, autour de son cercueil, filmé par tout le monde. Mais on l'a fait avec le cœur, car on l'a aimé profondément. D'ailleurs, je n'aurais jamais été là si Johnny n'avait pas dit à Laetitia, il faut que Mathieu vienne à mes obsèques. A-t-il confié avec beaucoup d'émotion.